Une falaise à pic, sur un bout de côte isolée, des grottes creusées dans le flanc de la roche, reliées entre elles par des volets de marchands bois. Un interrupteur à droite de la scène. Bruit de la mer dans les hauts-parleurs. Entre Catherine. Elle voit Vassili pencher sur son ouvrage un patchwork de sacs plastiques de toutes les couleurs. Elle hésite un instant s'approche. Bonjour. Bonjour. Salut. Hé, hey, vous parlez ma langue Bonjour. Oh, tu m'entends Qu'est-ce que tu veux Rien. Comment t'as trouvé cet endroit Je m'appelle Catherine. Je veux pas te déranger. Tu me déranges. Je suis désolé. Je voulais pas. C'est pas ta faute, tu peux rien. Le simple fait que tu sois là détruit mon calme. Je suis venu pour être seul, moi aussi. C'est foutu. Ni toi ni moi ne pouvons plus être seuls. Il ne vient jamais personne ici. Tu es la première depuis des années. Avant de te voir arriver, je t'ai entendu qui montait. J'ai espéré que tu ne viennes pas jusqu'ici, que tu fasses demi-tour, que tu repartes. Puis j'ai entendu tes pas tout près. J'ai su que tu allais apparaître. Tu veux savoir les mots que j'ai pensés Qui vient anéantir ma paix Qui vient troubler la parfaite quiétude que j'ai trouvée ici, l'égalité des jours et des heures le ramassement de mes pensées chaque matin comme des poissons épars au réveil. Le spectacle des oiseaux qui montent et qui descendent, des vagues qui viennent se briser en bas, des troncs qui arrivent de forêts distantes de milliers de kilomètres. Moi aussi je veux ça, cette quiétude, cette paix. Tu veux qu'on te fiche la paix Je suis venu pour ça. Qu'on me fiche pendant très longtemps une très grande paix. Tu souris Je n'ai pas parlé depuis des mois, depuis des années. Parfois je me demandais si je savais encore, si tous les muscles de ma bouche n'avaient pas fini par ramollir, devenir incapables d'articuler la moindre syllabe intelligible. Mais tu arrives et je te parle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je te parle. Je parle. Je sens ma bouche qui remue, mes gencives, mes lèvres, mes dents qui s'agitent, qui font des sons. Et ça te plaît de parler à nouveau le tout début. Ça c'est le tout début. Et puis on avance, on avance, on continue. La vie suit son cours. Il y a Nikolaos qui arrive. Qui lui n'a pas du tout décidé d'être seul. Enfin lui il est vraiment naufragé. C'est un, un, un sous-marin qui vient s'échouer contre la falaise comme ça. Et lui il est là au début très mécontent d'être là. Et petit à petit cette ville-là lui plaît. Et, et, et... Avec, avec Nicolas arrive euh, plein d'objets en fait, le plateau se remplit comme ça tout d'un coup d'une abondance de, de choses qu'on peut prendre dans le sous-marin. Il, il, il y a un côté comme ça pirate, de, 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 de. c'est un sous-marin qui a presque été euh, naufragé depuis la falaise, par, euh, ils sont un peu naufrageurs aussi. Euh, et donc tout d'un coup ils ont plein d'objets plein et ça va mal avec cette vie, euh, vie d'assette euh, que Catherine et Vassili menaient. Et donc voilà, un matin, Catherine a fait un, un grand radeau. Euh, voilà, c'est le passage qu'on va lire. Euh, euh, j'ai fini, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-le, mon radeau. Les autres, j'en étais fier. Je les regardais s'éloigner dans le courant avec au cœur un orgueil. Mais à côté, c'étaient des barcasses, des jouets d'enfants dont je souris maintenant. Cette fois, j'ai lié entre 15 troncs bien forts. On ne sait jamais comment ça tient la vague, ces longs fûts. Ça roule, ça coule à demi. Alors j'ai arrimé tout autour les énormes bidons bleus que tu gardais depuis des années, Vassili. Tu n'en avais pas besoin Tu les as pris Tous Je les voyais qui dormaient depuis des années dans ta grotte. Tu n'en faisais rien, tu ne savais même plus qu'ils étaient là, je me trompe Je les voyais chaque matin, j'avais l'impression qu'ils me narguaient. Des bidons d'un si beau bleu pétrole, si capables de flotter jusqu'au bout des océans. Pardon oh. Mais j'aime que les choses servent. J'en ai fait tout autour de mon rafio une jupe de flotteur à toute épreuve. Ah, elles peuvent rouler dessus, les vagues. Des bidons de ce volume, ça résiste. Elles peuvent les plonger trois mètres sous la surface. Toujours, ils remonteront. Il est insubmersible, mon radeau. J'ai tout bien attaché, j'ai doublé tous mes nœuds, comme tu m'as montré, Vassili. J'ai tendu sur tout ça des filets de pêche bleu et blanc pour le brillant des mailles. J'ai accroché autour une traîne de boules de polystyrène rouge et rose. J'ai planté au milieu deux ou trois os de baleines comme des chicots un peu bizarres. Juste comme ça pour l'allure. C'est beau, je vous jure. J'en suis amoureuse de mon bateau. Et vous allez peut-être m'en vouloir Quoi encore Je n'ose pas le dire. Vous n'avez pas remarqué quelque chose planté au milieu Le gros fauteuil en plastique Je l'ai pris. Vous n'êtes pas fâché Tu as pris le fauteuil comme ça sans prévenir Qu'est-ce qu'on allait faire de ce machin Il n'en avait qu'un. Un fauteuil pour trois, n'est-ce pas que c'était triste Regardez-moi ce trône que j'en ai fait. Je l'ai calé pile au centre du radeau, surélevé sur trois quatre palettes bien nouées avec une corde épaisse, juché tout là-haut. Vous verriez comme on surplombe, comme la mer, le monde nous appartiennent. Tu as aussi pris les palettes N'est-ce pas qu'il est beau Les palettes et tout ce qu'on avait de cordes On s'en refabriquera. T'as même mis l'orgue de Barbarie. Nicolas, tu vas pas te mettre à faire des sentiments il nous reste plus grand chose avec quoi jouer. Et tu lui as fait un gouvernail à ton bateau Une simple barre, regarde. Une vieille planche de pin que j'ai taillée pour lui donner la même forme profilée que tous les gouvernails de bateau. Mais je l'ai fichée dans le plancher sans axe autour duquel pivoter. Un seul cap possible, droit devant. Je ne voulais pas d'un bateau qui louvoie. Donc, le radeau, avec, le... avec ce départ, hein. et on, on, on parle de, vas -y, vas -y. de cette femme hors champ. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bien, c'est bien de, de en parler, je pense. Il <laughs> y a quelqu'un qui les regarde, qui est là peut-être depuis toujours, et leur solitude, elle est sous le regard de cette femme qu'on ne verra jamais. Et ils se rendent compte que tous leurs gestes, toute l'hospitalité qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre, tout cela est comme euh, sous-pesé, euh, ressenti, évalué par cette forme, cette figure absente-là. Et c'est quelqu'un qui va vraiment guider aussi la, cette communauté éphémère, cette communauté de solitude, comme ça, qui se lie les unes aux autres. C'est cette, cette cette personne. Parce que depuis le début, il y a effectivement il y a une grotte qui est habitée, il y a une grotte qui est là et, y a, et ils savent qu'il y a une une femme qui est là euh, et qui ne se montre jamais, mais, mais ils savent qu'elle est là. Et en fait, ça les ça les aimante, ça ça sans cesse ils se demandent ce qu'elle fait euh, et ça. Et ça peuple infiniment leur monde en fait. Ça lui ajoute un, une sorte de mystère. De, de, de... Et ils se rendent compte qu'elle est, qu est fondamentale en fait pour leur équilibre, sans, sans jamais se montrer. Simplement, ils se rendent compte que beaucoup de choses, beaucoup des choses qu'ils font, ils les font mais pour euh, un peu en pensant à ce qu'elle va, ce qu'elle va s'imaginer en les voyant. Euh, ils lui portent à manger. Ils lui, euh, et, et ça devient une raison euh, pour eux. Ça devient une raison d'être là, une raison de. Ça donne du sens en fait. C'est vraiment une, une c'est beaucoup une pièce, euh, un spectacle autour de, autour du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que, qu'on qu cherche dans les, à travers les, 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 les actes qui nous relient les uns aux autres euh, Cette présence elle va peut-être disparaître. Enfin, cette dame. On... Et donc là, euh, enfin voilà, je dis non, mais ça, ça, bon, je veux pas. De... Peu importe, je raconte un peu l'histoire, mais peu importe. Mais c'est pas. Euh, je pense qu'on n'est pas dans le suspense si on peut, on peut. Peut-être qu'il faut laisser un peu de suspense. Je ne sais pas. Mais, mais. Mais en, en tout cas, en tout cas non, mais simplement la question va se poser, du moment où, quand elle va mourir, cette femme, qu'est-ce qu'on fait quand on, est plus, quand on est tous les trois et qu'elle n'est plus là Celle, celle sans même s'en rendre compte pour laquelle on, on, on faisait plein de choses. Celle qui nous semblait le, le génie du lieu un peu. Euh, euh, et, et même sans être croyant, sans être... Euh, C'est vraiment une pièce sur le fait que dans la vie, en fait, il y a toujours besoin de, 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 de choses comme ça, d'un génie, de, euh, même si ce n'est pas... Euh, même si ce n'est pas Dieu, enfin, on... le sens, il a besoin d'avoir de... un foyer, il a besoin de venir de quelque part. Donc c'est ça un peu que ça interroge aussi la pièce. Je sais pas. Et après, ils vont être mis face à, à ça, au vide que ça fait quand il n'y a, a plus cette personne dans la grotte. Voilà, bon. Oui, oui, oui il y a cette, cette figure-là, voilà, cette, cette figure absente, ce génie, ce génie du lieu, comme tu dis, comme tu dis très bien, qui va aussi pousser chacun sur, euh, dans des formes de, de bulles d'intimité, de, de, de confession, de, de don à l'autre, comme ça, sur les raisons de, de ce désir de solitude, des, des bulles comme ça, de parcours de vie, qui vont partager à un moment donné. Et là, euh, le prochain extrait qu'on va vous lire, c'est un extrait, c'est un dialogue entre Vassili et Nikolaos. Et Vassili euh, revient euh, sur, euh, sur, euh, son rêve, euh, sur son rêve sur son rêve d'être de solitude et de solitude d'amitié euh, qui, se, qui, se, qui se transforme en, 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 en nécessité de la solitude. Je vais vous lire. Quand j'étais étudiant, J'habitais en colloque avec un copain. On était étudiants tous les deux, on vivait ensemble. On voyait bien que le temps passait, que ça durerait pas toujours, qu'il faudrait bien que chacun fasse son chemin. Alors, on s'est juré qu'un jour, on se retrouverait. On s'est dit qu'un jour, on serait deux moines ermites et qu'on s'en irait habiter côte à côte au bord de la mer. Deux moines, avec deux grandes barbes de moines, qui habiteraient deux petites grottes voisines, à flanc de falaise, au-dessus de la mer, et tous les matins, on irait se rendre visite pour le café. Un matin, c'est moi qui devais aller rendre visite au moine Ivan, et le lendemain, c'était le moine Ivan qui devait venir me voir. Et tous les matins, comme ça, on devait prendre le café ensemble en regardant la mer. S'émerveiller chaque matin de la trouver si belle. C'est pas croyable ce qu'elle peut être belle. Voilà ce qu'on avait prévu de dire en cœur chaque matin, comme un petit rituel immuable. Après quoi, il était prévu que chacun rentre chez soi. Le moine Ivan devait dire Moine Vassili, Merci pour ce bon café. Le moine Vassili répondre Moine Ivan, merci de cette visite. Après quoi, le, man, le moine Ivan devait rentrer dans sa grotte et la journée se poursuivre ainsi. Tout était prévu. Moine Ivan et moine Vassili, à nouveau, chacun chez soi, chacun dans sa grotte, deux grottes toutes proches, en face de la mer, deux grottes presque collées, presque communicantes. Mais tout de même deux grottes, pas une grotte, deux, chacun la sienne, reliées entre elles seulement par quelques planches de bois jetées au-dessus du vide. Et toujours, quand le moine Vassili aurait rendu visite au moine Ivan, il y aurait eu ses planches à franchir. En dessous, il y aurait eu le vide. Et on n'aurait jamais pu être sûr de rien. Ça aurait toujours été un peu la surprise le matin, lorsque le moine Vassili aurait vu arriver le moine Ivan ou l'inverse. Ça alors Moine Ivan, quelle bonne surprise Vous ici, moine Vassili, quelle fête Je tentais ma chance à tout hasard. Et tous les deux, on avait prévu d'être contents de cette visite inattendue. On avait prévu de se réjouir, de boire le café en regardant la mer. En se félicitant que ce matin-là, encore, tout soit comme les matins précédents, que toujours la mer soit là avec les mouettes et la lumière blanche du matin, et nous deux assis là devant, en train de boire notre café et de contempler tout ça, moine Ivan, moine Ivan et moine Vassili, avec nos grandes barbes et nos grandes robes de moine, avec nos. Petits yeux éblouis par le soleil, on s'y voyait déjà, serrés l'un contre l'autre, en face de la mer, ensemble. Et puis Et puis voilà, c'est la vie. Il n'est jamais venu. Il est mort. Il s'est marié. C'est pareil. J'ai compris que je ne le verrais plus. Alors, plutôt que d'attendre éternellement, je suis parti tout seul. Tu regrettes Non. Je suis bien ici. Il ne me manque pas grand-chose. Oh, solitude.